beauté, c'est être féminine jusqu'au bout des ongles. Et c'est Noël que j'emmène maintenant faire une manicure. Noël, ton secret de beauté, ça serait dormir. Tu ne sors jamais sans. Sans me maquiller les yeux. Tu as une journée pour toi, tu fais quoi? Moi, je la passe au spa, en amoureux. Salut Noël, comment vas-tu? Salut Caro, très bien, heureuse de te retrouver. Eh ben moi aussi, alors j'ai vu que tu étais jolie jusqu'au bout des ongles. Ah bah oui. Je te propose qu'on aille découvrir les tendances de saison. Bonjour Josie. Bonjour. Alors vous vous occupez de la beauté des mains chez Cure Bazaar, c'est ça? Tout à fait. Chez Cure Bazaar, qui c'est des vernis sans solvant chimique. Nous avons remplacé tous les solvants chimiques qui sont très très nocifs pour les ongles par des solvants végétaux. Voilà. Ok, alors j'imagine que vous connaissez toutes les couleurs qui sont vraiment tendances cette année. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous en montrer quelques-unes? Voilà. Nous avons les couleurs sombres cette année, vraiment, pour les femmes qui voient vraiment ce côté femme fatale. Nous avons les couleurs aubergine, qui c'est notre phénoménal. Nous avons des gris pour donner la profondeur des ongles, qui c'est notre ismoqué. Nous avons aussi des couleurs un peu plus métallisées, pour donner cet effet vraiment métaux précieux sur les ongles. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans, alors, Noël? Alors moi j'aime... Alors déjà, il va falloir que Josie me dise ce que je vais pouvoir mettre, parce que moi j'ai des ongles rouges. Donc est-ce qu'il est possible de couvrir ces ongles rouges? Tout à fait, ce sont des vernis très très couvrants. D'accord. Ça tient très très bien. Très bien. Alors moi j'aime beaucoup celui-ci. Il est bien, voilà. Ça est bien couvert. Après, je choisirais plutôt le bleu, parce que je le trouve pétillant, vif. Et j'aime bien aussi le gris. Okay. Alors Josie, je vous laisse choisir. Franchement, je vous en conseille vraiment celui-ci. Très bien. Alors ça te plaît, Caroline? J'adore. Non mais franchement, c'est quand même assez incroyable de pouvoir poser cette couleur-là sur du rouge. Je trouve ça assez incroyable. Bon, en fait, j'ai un peu piégé Josie. Hein. C'est vrai? Ouais. Que je voulais savoir si justement la c'était fois, un vernis de qualité. Est-ce que ça nécessite quand même à la base sur une pose de vernis de mettre un produit spécifique pour protéger l'ongle ou pas obligatoirement avec ces vernis? Non. Nous avons les bases qui sont vraiment très très bien pour les ongles parce que ce sont des bases que déjà, si vous ne voulez pas qu'ils utilisent les vernis Cure Bazaar, au moins vous avez un produit vraiment très qualitatif directement sur vos ongles. S'il y a du vent ou si les gens soufflent. Est-ce que tu es joueuse? Ah oui, assez, oui. Bon, je te propose qu'on aille tester nos manicures à l'extérieur. D'accord. Voir celui qui a le plus de succès. Donc on fait un micro-trottoir? Ouais, voilà, on va aller voir des jeunes filles. Et je te propose qu'on joue pour un cocktail. Quelle couleur vous préférez? Le bleu. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Le doré ou le bleu? Oh non, il faut donner une couleur, s'il vous plaît. Il faut nous départager, c'est très important. Oui. J'aime bien celui-là, ouais, le violet. Ouais. Ah, c'est du bleu. Mais merci quand même, c'est gentil. Merci, monsieur. T'as dit qu'on avait le droit de tricher, moi je triche. J'aime bien celui-là, l'or. Oui, le doré. Doré. Ah, merci. Bon voyage. Et moi, j'ai très soif. Et moi aussi. Et je préférerais ne pas avoir à payer le cocktail. Alors, le bronze ou le bleu? Le bleu. Le bleu, il est beau, hein? Ah, le bronze est magnifique avec le soleil, la lumière. Ouais, c'est là, ouais. Ah, merci. Vous avez juste besoin de nous dire quelle couleur vous préférez? Non. Eh ben non, elles veulent pas. Elles ne les aiment pas, nos ongles. Bah non. Le bleu est super beau en même temps. Mais le bronze, très comment ça, ni l'un ni l'autre? Mais ils sont hyper beaux, nos ongles. C'est la tendance. À choisir, je prendrai le bronze. Voilà. Merci. Oui, mais vous avez dit que vous préfériez rien. Votre nom, votre... S'il vous plaît, aidez-nous. Il faut nous départager. On veut gagner un cocktail. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je suis plus bleu. Ah, merci. Merci. Écoutez, je vous aime quand même. Oh, ce bleu. Ça me rend heureuse. Ça tombe bien que tu aies mis cette robe rose. Mm-hmm. T'as vu juste. Je t'emmène dans une chambre. Mm-hmm. Qui devrait te plaire. Honore dame, je t'en prie. Oh, magnifique. Des couleurs de contes de fées. Exactement. Du rose. Puisqu'on est au mois d'octobre,
Et c'est l'opération Octobre Rose. Et je crois que au Radisson, puisque nous sommes au Radisson, ils ont vraiment joué le jeu. Donc bah, on va tester, hein, voilà. On va tout tester parce qu'il y a plein de petites surprises. Ça, c'est un vrai truc de nid d'amour à faire. Soit entre copines, soit exactement, effectivement avec son amoureux. Exactement, aussi partagé entre filles. Alors, je crois que cette chambre, elle est disponible jusqu'à fin décembre, mais il faut réserver avant la fin du mois d'octobre. Ah, c'est génial, voilà. Vraiment c'est génial. C'est dans le cadre de l'opération, effectivement, Octobre Rose. Il y a les carnets. Le petit stylo. Voilà, le petit lot pour écrire son petit journal intime. Je sais pas pourquoi, on devrait peut-être un peu te faire. Tu veux un petit, petit chamallow ? Ici, j'ai l'impression qu'on a un smoothie à la fraise. Ils auraient peut-être dû nous laisser aussi quelqu'un qui nous explique comment on mange. C'est léger, c'est frais. C'est très féminin. Oh, voilà, c'est super féminin. C'est pas du tout calorique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. À partir du moment où on a une robe comme toi, tout va bien. Il y a donc ces petits papillons qui donnent un peu de légèreté. Et puis l'envol pour les femmes qui souffrent du cancer vers la guérison. Ça, c'est très, très symbolique. On va voir si la salle de bain est pareille. Waouh! Aïe, aïe! Ah, génial, avec les serviettes roses, les petites bougies roses, tout est rose. Bonjour, monsieur Van Elsen. Bonjour, madame. Donc, vous êtes le directeur du Radisson Blue. Oui. Alors, pourquoi avoir fait ces chambres roses? Donc, on a cette initiative, c'est pour le mois d'octobre, le combat contre le cancer du sein. Donc, on a eu cette bonne idée de mettre en place des chambres roses. Donc, c'est deux chambres complètement habillées spécialement en couleur rose. Et donc, on travaille ensemble avec l'association Europa Donna. Et donc, une partie des revenus des chambres s'est versée contre le combat de cancer du sein. Alors, ma petite Noël, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée en rose? Ah, j'ai adoré cette journée en rose. Maintenant, on a bien mérité ce petit cocktail, ce petit rafraîchissement. Ouais, parce qu'une journée de fille, hein, franchement, ça use. Ça, c'est vrai. Bon, ben, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Caro.